qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs, tout ce monde ne m'apporte rien, mais toi, toi tu m'as donné ta vie. Devant toi, émerveillé, attiré par ta majesté, je voudrais me rapprocher, permets-moi de te toucher près de toi. Je me sens bien ici. Tu es mon seul bien, je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs, tout ce monde ne m'apporte rien, mais toi, toi tu m'as donné ta vie. Devant toi, émerveillé, attiré par ta majesté, je voudrais me rapprocher, permets-moi de te toucher près de toi. Je me sens bien ici bas. Tu es mon seul bien, je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Près de toi, je me sens bien ici-bas. Tu es mon seul bien, à tes pieds, je me et je ne vois plus que toi.
Soyez les bienvenus pour ce nouveau culte vidéo. Un jour, en sortant de chez le boulanger, un vieux pasteur rencontre l'un de ses catéchumènes, dont la confirmation avait été célébrée une bonne trentaine d'années plus tôt. Tous deux, très heureux de cette rencontre surprise, et après les salutations d'usage, ils engagèrent la discussion. Le vieux pasteur demandant à son ancien catéchumène, « Comment vont ses affaires ?»« Très bien, lui répond le jeune homme, j'ai créé ma propre entreprise qui se développe rapidement et qui me rapporte beaucoup d'argent. » Le vieux pasteur ravi acquiesce d'un hochement de tête. « C'est une bonne chose, dit-il, j'en suis très content pour toi. » Puis, après un court silence, il poursuit. « Mais comment vont tes affaires ?» Le jeune homme, surpris, reprend. « Eh bien, je vous l'ai dit, j'ai une belle entreprise. En plus, je me suis mariée. Ma femme est très affectueuse et très belle. Et nous avons deux enfants, une fille et un garçon, qui sont deux véritables amours. » « C'est très bien, dit le vieux pasteur. J'en suis vraiment très content pour toi. Tu le mérites bien. » Mais comment vont tes affaires ? Le jeune homme commence à se dire qu'avec l'âge, son vieux pasteur perd sans doute un peu la tête. Il tente de répondre encore une fois. J'ai réussi professionnellement. Je suis heureux familialement et socialement. Je suis épanoui avec des amis sincères et fidèles. J'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Tout ça, c'est très beau, dit le vieux pasteur, et ça me comble de joie de te savoir heureux ainsi. Mais dis-moi, comment vont tes affaires ? Le jeune homme se sent démuni. Il a l'impression que son vieux pasteur n'est pas aussi perturbé qu'il le pensait. Alors il lui demande, que voulez-vous dire par « comment vont vos affaires ?» Si ma réponse ne convient pas, « Eh bien, répond le vieux pasteur, jusqu'à maintenant, tu m'as parlé des bénédictions de Dieu sur ta vie. Et crois-moi, toutes, elles me réjouissent énormément. Mais ça, ce sont les affaires de Dieu. Ce que je voudrais savoir, c'est comment vont tes affaires à toi. Et la seule chose qui dépend vraiment de toi, c'est comment est ton cœur devant Dieu. Alors dis-moi, comment est ton cœur devant Dieu ? Quand notre cœur est lourd, déposons nos soucis et nos préoccupations devant Dieu. Il nous déchargera. Quand notre cœur est angoissé, déposons nos stress et nos peurs devant Dieu. Il nous apaisera. Quand notre cœur est triste, déposons nos douleurs et nos larmes devant Dieu. Il nous consolera. Qu'en tout temps, notre cœur soit toujours sincèrement et humblement ouvert et disponible à Dieu, comme lui-même nous ouvre le sien pour nous combler de ses biens. Poursuivons dans la louange avec le prochain chant. Thank you.
Acclamez le Seigneur, vous toutes les nations. Chantez ses louanges, vous tous les peuples. Alléluia. Nous prions avec les mots du psalmiste, au psaume 86. Seigneur, tends vers moi une oreille attentive. Réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Je te suis fidèle, protège-moi. Je suis ton serviteur, je me fie à toi. Sauve-moi, toi qui es mon Dieu. Toi, Seigneur, tu es bon, prêt à pardonner, et généreux pour tous ceux qui t'appellent. Écoute bien ma prière, Seigneur, sois attentif quand je te supplie. Quand je suis dans la détresse, je t'appelle, car tu me répondras. Parmi les dieux, aucun n'est comme toi, Seigneur, aucun ne pourrait faire ce que tu as fait. Tu as créé toutes les nations, elles viendront s'incliner devant toi pour t'apporter leurs hommages. Car tu es grand, tu fais des merveilles, tu es le seul Dieu. Seigneur, montre-moi quel chemin je dois suivre. Je veux vivre en te restant fidèle. Mets en moi cette seule préoccupation, rester soumis à ton autorité. Acclamez le Seigneur, vous toutes les nations, chantez ses louanges, vous tous les peuples. Alléluia. Matthieu, Jésus dit cette phrase étonnante, voire choquante. Le royaume de Dieu est soumis à la violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce possible? Est-ce vrai? Et si oui, de quelle violence s'agit-il? L'histoire qui suit nous propose une explication. Un jeune homme veut trouver Dieu, mais il ne sait comment faire. Il commence à se renseigner auprès des gens de son village. Ayant fait le tour sans avoir rien appris d'intéressant, il poursuit dans le village voisin et celui d'à côté, puis celui d'encore un peu plus loin, mais sans plus de succès. Jusqu'à ce que quelqu'un lui conseille d'aller trouver un ermite qui passe, il est vrai, pour un illuminé. Mais si quelqu'un sait quelque chose, c'est forcément lui. Le jeune homme part ainsi à la rencontre de cet ermite et lorsqu'enfin il le trouve,
Il s'empresse de lui faire part de son désir. Je veux trouver Dieu, mais je ne sais pas comment faire. Après un temps de réflexion, l'ermite lui demande « Sais-tu nager ?»« Non, » répond le jeune homme. « Bien, » reprend l'ermite, « suis-moi. » Les deux hommes marchent en silence jusqu'à arriver au bord d'un lac. Là, l'ermite monte dans une barque, toujours sans un mot. Le jeune homme se demande où cela va le mener. Mais si Dieu est de l'autre côté du lac, cette barque est le moyen le plus rapide d'y arriver. En quelques coups de rame, la barque se retrouve au milieu du lac. Là, l'ermite stoppe la manœuvre, se penche par-dessus bord et contemple religieusement le fond de l'eau. Le jeune homme en fait autant. Dieu n'est peut-être pas de l'autre côté du lac, mais en plein milieu, se dit-il. Avec une rapidité et une force étonnantes, l'ermite saisit alors le jeune homme et le projette par-dessus bord. Plouf ! Le jeune homme se débat, mais plus il s'agite, plus il s'enfonce dans l'eau. Sur la barque, l'ermite le regarde, impassible. Le jeune homme lutte, et à chaque fois que sa tête émerge un peu de l'eau, il inspire autant d'air que possible avant de se retrouver à nouveau complètement immergé. Les forces commencent à lui manquer, et bien qu'il aurait vraiment préféré trouver Dieu de son vivant, le jeune homme se dit que si c'est comme ça que sa quête doit s'accomplir, qu'il en soit ainsi. Lorsqu'une main le saisit, le tire hors de l'eau et le replace dans la barque. Alors que le jeune homme, hoquetant, peine à retrouver son souffle, l'ermite lui dit « Si tu souhaites vraiment trouver Dieu, voilà comment il te faut le chercher. Avec la même énergie qui était la tienne, lorsque tu cherchais l'air qui te manquait, avec le même désir que celui que tu avais de rester en vie. Oui, c'est comme ça que tu dois le chercher, mais comme tu as été sorti de l'eau, n'oublie pas que c'est Dieu qui te trouvera. Nous prions. Seigneur, pardonne notre manque de passion et la routine de notre foi. Pardonne nos certitudes chancelantes et nos habitudes oppressantes. Pardonne nos découragements et nos lassitudes, comme aussi nos procurations, quand nous comptons sur les autres pour te prier, pour t'honorer, pour croire en toi à notre place. Pardonne-nous lorsque nous ne nous attendons plus à toi, et rends-nous le feu du premier amour. Amen. Dans le livre du prophète Osée, le prophète annonce que le Seigneur relève ceux qui sont brisés. Venez, retournons vers le Seigneur, car il a déchiré, mais il guérira. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et viendra lui-même vers nous comme vient la pluie, comme l'ondée du printemps qui arrose la terre. Au-delà de nos déchirures et de nos blessures, le Seigneur est celui qui reconstruit et qui guérit. Il nous relève, il nous appelle à la vie. Son pardon est une pluie
qui recouvre nos loupés, nos faiblesses, nos peurs, sa bénédiction élondée qui arrose la terre de notre cœur. Amen. Partie de l'histoire de Ruth, une jeune femme du pays de Moab, donc non juive, et qui sera pourtant l'arrière-grand-mère du roi David. À l'époque où les juges exerçaient le pouvoir en Israël, il y eut une famine dans le pays. Alors un homme de Bethléem en Juda partit avec sa femme et ses deux fils. Ils allèrent habiter pour un temps dans le pays de Moab. L'homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémie et ses deux fils Malon et Kilion. Au cours de leur séjour en Moab, Élimélec mourut et Noémie resta seule avec ses deux fils. Ceux-ci épousèrent des Noabites. L'une d'elles s'appelait Orpa, l'autre Ruth. Au bout de 10 ans, Malon et Kilion moururent à leur tour. Noémie resta seule, privée de ses enfants et de son mari. Jusqu'au jour où Noémie apprit que le Seigneur avait été favorable à son peuple et lui avait donné de bonnes récoltes. Alors elle se prépara à quitter ce pays avec ses deux belles filles. Elles partirent ensemble pour retourner au pays de Juda, mais en chemin, Noémie leur dit « Rentrez chez vous maintenant, chacune dans la maison de sa mère. Que le Seigneur soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. »
qu'il permette à chacune de vous de trouver le bonheur dans la maison d'un mari. » Puis elle embrassa ses deux belles filles pour prendre congé. Mais celles-ci pleurèrent abondamment et lui dirent : « Non, nous t'accompagnons auprès de ton peuple. » Noémie reprit : « Rentrez chez vous, mes filles. Pourquoi voulez-vous venir avec moi ? Je ne suis plus en âge d'avoir des fils qui pourraient vous épouser. Rentrez chez vous, laissez-moi. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais : « Il y a encore de l'espoir pour moi », cette nuit même, je serai à un homme qui me donnera des fils. Pourriez-vous attendre qu'ils aient grandi ? Renonceriez-vous à épouser quelqu'un d'autre ? » « Non, mes filles, c'est contre moi que le Seigneur s'est tourné. Mon sort est beaucoup trop dur pour vous. » Les deux belles filles pleurèrent de plus belle. Finalement, Orpah embrassa sa belle-mère pour prendre congé, mais Ruth refusa de la quitter. Noémie dit à Ruth : « Regarde ta belle-sœur, elle est retournée vers son peuple et son Dieu. Fais comme elle, retourne chez toi. » Mais Ruth répondit : « N'insiste pas pour que j'abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enterrée. Que le Seigneur m'inflige la plus terrible des punitions, si ce n'est pas la mort seule qui me sépare de toi. » Quand Noémie vit que Ruth était résolue à l'accompagner, elle cessa d'insister et elles allèrent ensemble jusqu'à Bethléem. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Amen. Thank you.
Avez-vous déjà vu éclore un œuf? Il paraît que le poussin qui naît s'attache littéralement à la première chose qu'il voit au sortir de sa coquille. Direct, il se colle à cet être, ou même à cette chose, en pépiant. Piou, 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 piou. Direct, il ne l'a ou le lâche plus d'un ergo, ni d'une inspiration. Et on m'a dit que quand ça vous arrive, eh bien vous vous retrouvez avec une sorte de petit toutou à deux pattes, parfois même palmées, tous de plumes vêtues, alertant tous les environs de votre présence, et plus difficile à décoller de vos baskets qu'un chewing-gum récalcitrant. Tout ça parce que le poussin, la première chose qu'il voit, ben, il l'assimile à sa maman. Pour lui, le premier truc qu'il voit, c'est l'être qui lui a donné la vie. C'est l'être qui va lui rendre la vie possible, en prenant soin de lui, en le nourrissant, en le protégeant, en lui apprenant tout ce qu'il doit savoir pour être dans un premier temps un bon petit poussin, puis à terme un bon... en fait, ça dépend de quel genre de poussin c'est. Un bon canard, ou un bon poulet, ou un bon chevreuil. Quoi, vous trouvez qu'un chevreuil, ça ne rentrerait pas, c'est trop gros pour entrer dans un œuf, mais ça dépend de la taille de l'œuf. Bon, laissons tomber le chevreuil. Une bonne autruche. En tout cas, pour toutes ces raisons et pour d'autres encore, le poussin s'attache à sa maman, corps et âme. Et ça, c'est le premier point important qu'il nous faut retenir aujourd'hui, corps et âme. Dans la lecture du jour, dans cette histoire tragique d'une famille de Bethléem, exilée au pays de Moab à cause de la famine, le point essentiel, le point fondamental de cette histoire, c'est l'attachement. Et dès le début de cette histoire, on découvre une caractéristique surprenante de tout attachement. L'attachement commence par un détachement. Allez, disons le mieux, par un déracinement. Et ça, c'est déjà un deuxième point important à retenir. Du fait des vicissitudes de la vie, pour cette famille de Bethléem, dans notre histoire, c'est la famine, de nombreuses familles laissent derrière elles la vie qu'elles avaient. Comme aussi leur histoire, comme aussi leur projet. Pour aller s'installer dans un pays étranger où elles espèrent une vie plus facile, ou pour le moins ne pas mourir. La famille de Noémie laisse tout, sans doute déjà parce qu'elle n'avait pas grand-chose, vu la situation, mais peut-être aussi parce que les déménageurs bretons n'existaient pas encore. Alors je vous vois sourire, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on partait avec ce qu'on pouvait porter, rien d'autre. Ou alors, ce qui allait dans la charrette qu'on pouvait tirer. Et d'ailleurs, c'est toujours encore le cas aujourd'hui, en temps de crise sévère, lorsqu'on fuit la misère ou la guerre, par exemple, on ne s'encombre pas de choses inutiles. Un tel déracinement, ça demande du courage, et une bonne dose de courage. Parce qu'aller s'établir dans un pays étranger, pour des Israélites à cette époque-là, c'est pas rien. Moab, c'est un pays d'ennemis. Ce sont des païens. Leurs dieux ne sont pas le seul vrai dieu, celui des Israélites. Et plus encore que de ne pas les aimer, on les hait. Du courage aussi, parce que quand on part comme ça à l'étranger, une fois qu'on y est là-bas, dites-moi, c'est qui
l'étranger. Et être étranger, c'est toujours compliqué. N'importe où et n'importe quand. Ben voyez, déjà aujourd'hui, malgré la mondialisation quasi totale, un étranger reste toujours un étranger, même s'il est très très bien intégré. C'est toujours encore l'étranger. Vous ne me croyez pas? Voyez simplement dans nos villages si chaleureux, si paisibles. Ben chez nous aussi, un Hergelofene reste toujours un Hergelofene. Surtout s'il vient du village voisin. Vous voulez quelques exemples? Facile. Walterswiller, Obersulzbach. Un autre exemple. Wingen, Zittersheim. Un autre exemple. Tiefenbach, Weislingen. Alors quand en plus, il s'agit d'un Lorrain. Ou pire, s'il vient du Chrome. Évidemment, on finit toujours par l'accepter, même par l'apprécier au moins un peu, parce que au final, il n'est pas si différent que nous, et il est même plutôt sympathique. Mais toute sa vie, et même jusqu'à ses petits-enfants, de temps en temps, on lui rappellera quand même cette sorte de tare, son origine. Alors, dans notre histoire du jour, ce déracinement est encore amplifié par toutes les difficultés, les tristesses, les coups durs qui s'abattent sur eux. À peine installés dans ce nouveau pays, dans cet Eldorado, dans sa nouvelle vie, forte de nouveaux espoirs, Noémie se retrouve veuve, avec deux enfants à charge. Lorsqu'ils sont suffisamment âgés pour se marier, ces deux fils épousent des filles du pays de là-bas. Des ennemis à l'origine, des païennes encore maintenant. Et ils n'ont même pas le temps d'avoir un premier enfant qu'ils meurent tous les deux. En un rien de temps, Noémie se retrouve veuve, sans plus aucune famille que ses deux belles filles, elles aussi veuves et sans enfants, et sans plus aucun espoir. Alors à l'époque, la vie d'une veuve, c'était pire que la misère. Que dire de la vie de trois veuves, dont une est étrangère, et les deux autres des traîtresses? Elles ont épousé des étrangers. Rien de vraiment joyeux. Pour Noémie, un peu comme pour le fils prodigue, le retour au pays apparaît comme la meilleure option, sans doute parce que finalement c'est la seule option. Et voilà qu'en entamant le chemin du retour, elle est à nouveau déracinée. Et là, c'est le troisième point important à retenir aujourd'hui, mais celui-là, je suis persuadé, je le sais, vous le connaissez très très bien, la vie est dure tout le temps. Aucune surprise. À peine tu crois que t'es enfin tranquille, sorti d'affaires, qu'enfin les soucis tu peux les laisser derrière toi, qu'enfin la vie va te sourire comme il se doit, qu'une tuile te tombe dessus. Et très souvent, une tuile ne vient pas seule, elle entraîne d'autres tuiles qui te tombent dessus aussi, et à tel point que de temps en temps tu te demandes si la charpente entière n'est pas venue avec. Alors, pourquoi cette histoire de Noémie, de sa famille, une histoire quand même triste, est tellement intéressante pour nous? Simplement parce que c'est notre vie à nous aussi. Beaucoup d'entre nous sont des Hergelofeni, et ils le seront toujours. Mais pour en être un moi-même, je peux dire avec une certitude certaine, que c'est pas ce qu'il y a de pire. Certains d'entre nous, bien pire, ont perdu un enfant, ou plusieurs.
Ils connaissent l'horreur ultime, parce que cette douleur, c'est la leur. Tous, parmi nous, nous connaissons des difficultés, des épreuves. Nous sommes soumis à des pressions insupportables et injustifiées. Nous subissons la maladie, l'angoisse, le découragement. Nous faisons face au désespoir comme nous pouvons et à la mort de la même manière. Tous, en cela, nous sommes déracinés, d'une façon ou d'une autre. Et c'est dans nos propres déracinements que nous rejoignons, que nous intégrons l'histoire de Noémie et de sa famille. On l'appelle aussi Naomi. Mais l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. N'en restons pas à ce triste constat selon lequel nos vies, à elles comme à nous-mêmes, sont difficiles et douloureuses. Allons plutôt un pas plus loin en leur compagnie et voyons qu'au cœur même du déracinement, l'attachement salvateur surgit. Même si ça ne veut pas dire que ça y est, maintenant tout est facile. Car oui, lorsqu'elles s'en vont, elles sont trois. Noémie et ses deux belles-filles. Mais lorsqu'elles arrivent, elles ne sont plus que deux. L'une d'entre elles s'est perdue en chemin. Laquelle ? Elles s'aimaient pourtant toutes les trois infiniment. Elles étaient toutes les trois aussi volontaires l'une que l'autre. Alors pourquoi Orpa, puisqu'il s'agit d'elle, s'en est-elle retournée chez elle, effondrée, pleurant toutes les larmes de son corps, sans doute consciente de la bénédiction à côté de laquelle elle venait de passer, mais ne pouvant finalement pas aller plus loin. Est-ce que ce qui arrive à Orpa ne vous fait pas penser à ce jeune homme riche qui vient voir Jésus pour se mettre à sa suite, un jeune homme parfait en tout point, mais qui s'est quand même aussi retourné chez lui en pleurant lorsque Jésus lui a dit que pour pouvoir s'attacher, pour pouvoir attacher ses pas aux siens, il ne lui manque qu'une chose, vendre tous ses biens, se détacher de ses possessions. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à Pierre et les autres, mais surtout Pierre, qui jure sur sa vie qu'il suivra Jésus jusqu'au bout, oui, jusqu'à la mort, et qui quelques heures plus tard pleure lui aussi des larmes bien amères, alors que le chant du coq scelle sa lâcheté. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à cette parole par laquelle Jésus conclut la parabole des noces ? Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à tous ces disciples qui ont arrêté volontairement, consciemment, de suivre Jésus après qu'il leur ait dit que personne ne peut venir à lui si ce n'est Dieu qui les appelle ? Est-ce que la façon dont Noémie essaye de dissuader ses deux belles-filles de la suivre ne vous fait pas penser à Jésus, qui répond à ceux qui lui disent être super motivé pour le suivre. Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où se reposer. Ou à cet autre, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, mais il n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Des deux belles filles de Noémie, réellement aimées par Noémie, et aimant réellement Noémie, seule celle qui s'est attachée à elle, corps et âme, l'a suivie jusqu'au bout, à travers son propre déracinement. Un déracinement profond, comme le montrent les paroles de Ruth. Où tu iras, j'irai. Ton pays sera le mien, ta vie sera la mienne. Là où tu mourras, je mourrai aussi. Ton Dieu est mon Dieu. En d'autres mots, tu es la seule chose dont j'ai besoin dans ma vie. Tu es la seule chose que je veux pour ma vie.
Oui, Ruth s'attache à Noémie, corps et âme. Exactement de la même manière qu'Adam s'attache à Ève dans le récit de la création, parce que c'est le même, exactement le même terme hébreu qui est employé. Exactement comme un homme quitte ses parents pour s'attacher à sa femme, d'après ce que dit Jésus. Exactement comme Jésus s'attache lui-même à celui qui croit. Nos vies sont dures en ce moment, avec cette situation, mais elles le sont tout le temps. Vous avez plus que votre lot de difficultés, d'épreuves, de souffrances, de tristesse, de déracinement. Dans tout cela, l'attachement de Ruth à Noémie est l'exemple parfait de l'attachement qui surgit dans nos vies quand nous nous attachons corps et âme à Jésus. Corps et âme. Quand nous reconnaissons que Jésus est tout ce qui est nécessaire à notre vie, parce que lui, il est la vie. Quand nous sommes enracinés en Jésus seul, aucun déracinement, même le plus douloureux, ne nous est mortel. Car en Jésus, nous avons la ferme assurance qu'à travers les difficultés, comme Ruth, l'étrangère est devenue la grand-mère de David, du roi David, et ainsi l'ancêtre même de Jésus, le sauveur du monde, ben nous sommes nous aussi aimés et bénis, corps et âme, dès maintenant et éternellement, par le Dieu qui nous donne la vie. Amen. Je m'éveille, je saisis ta passion. Tous mes rêves prennent vie. Je veux vivre avec toi, ma vie. C'est là ma décision. Tu me relèves et mes yeux s'émerveillent. Ton enfant adoré, parfaitement libéré en toi. Mon âme, tu chériras. Regarde le soleil déchirer les nuages, le noir et le blanc se changer en couleur. Tout est beau dans les bras de mon Sauveur. Et maintenant je liberté, les portes et l'intour.
Nous prions les uns avec et pour les autres. Un jour, Seigneur, selon ton désir et ta sagesse, tu as posé notre nom sur tes lèvres. Était-ce un jour, un mois, une année, peu importe, tu l'as fait. Et sans un bruit, dans la plus grande discrétion, tout doucement, comme tu le fais habituellement, tu as frappé à notre porte. Ce jour-là, ce mois, cette année, tu nous as saisis au cœur. Tu as soufflé en nous ton merveilleux appel. Et nous, ce jour-là, ce mois, cette année, et à quelque autre moment de notre vie, sans autre assurance que ton appel ravivant en nous la brûlure de ton amour, nous t'avons remis nos attentes, nos rêves et notre quête d'éternité. Depuis ce jour-là, ce mois, cette année, nous avançons à ta suite. Par tout temps, par mont et vallée, de jour comme de nuit. Seigneur, qu'à ta suite, nous brisions les barreaux rigides du fanatisme et de l'intolérance qui polluent nos pensées, nos paroles et nos actes. Qu'au lieu d'exclure, nous fassions une place à chacun tel qu'il est. Qu'au lieu d'emprisonner, nous laissions toute porte ouverte. Qu'au lieu de geler, nos cœurs soient brûlants d'amour, envers et contre tout. Qu'à ta suite, Seigneur, nous soyons attentifs et remplis de compassion, prompts à encourager et à consoler, à relever et à pardonner. Qu'à ta suite, Seigneur, nous osions l'aventure du renouveau, dans nos familles, dans nos vies, dans notre foi. Qu'à ta suite, Seigneur, la joie et la paix de ta bonne nouvelle jamais ne nous quittent, parce qu'en toi, nous avons la vie éternelle. Qu'à ta suite, Seigneur, nous soyons enfants de Dieu, qui ensemble prie, comme tu nous as toi-même enseigné, notre Père qui es aux cieux. Thank you.
déjà à sa fin. Allons dans cette journée et dans nos vies avec cet encouragement à oser aller de l'avant que Dieu nous adresse par la bouche du prophète Ésaïe lorsqu'il dit ceci. Élargis l'espace de ta tente, déploie des toiles supplémentaires, ne les ménage pas, allonge tes cordages et consolide tes piquets. Oui, ne te rétrécis pas, car tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Oui, ne t'enferme pas, car c'est pour être libre que Dieu t'a libéré. Oui, ne t'habitue pas, car en Dieu ton horizon, c'est l'infini. Alors, sois curieux, sois sans crainte, et ose la confiance en ce Dieu qui te promet de toujours être avec toi. Prenez bien soin de vous, avec un courage renouvelé et une confiance indestructible. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.